Peggy 18. So our first game was called Nomad Soul in Europe and Omicron in the US, because we love to have different titles in different countries. It was a sci-fi open world, and of course the soundtrack was by David Bowie himself. Thank you for all you have done for us, Nomad Soul. Fahrenheit was a big shift in my vision of game design. I really wanted to find out if we could tell a story through gameplay and not through cutscenes. We were right to have chosen you. We really didn't have a clue what the reception would be, because we thought this game is so bizarre. It's not really an adventure game, but it's definitely story driven, but it's not an RPG. We didn't know how to call it, so we invented this word called interactive drama, this genre. I wanted to see how I could take this genre to the next stage, how I could tell a better story that would be more interactive, more emotional, with more consequences to your actions, and that was the beginning of Heavy Rain. Irène, c'est le destin d'un père de deux enfants, dont l'un va disparaître dans un tragique accident. Là, on est dans les premières minutes du jeu. Première minute où tout se passe bien. Vraiment, on est dans les pas d'un homme où vraiment tout va bien. Il est architecte, belle maison, magnifique pelouse, bon bref, un cadre idyllique. Et sa propre vie va sombrer. C'est-à-dire qu'on va le retrouver dans une ville de la côte est américaine où la pluie est permanente, où il essaie de renouer avec ce fils qui reste. Et ce fils, malheureusement, lui aussi va disparaître. So. Do you want to talk a little? Talk about what? Ensuite, pendant toute la durée de l'histoire, on va alterner entre une journaliste curieuse, un détective privé, un agent du FBI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, au fur et à mesure, voilà, construire cette enquête, la co-construire, puisque du coup, c'est une histoire interactive dans laquelle on va être le co-réalisateur des événements. Et on va pouvoir engendrer, par ses actions, des conséquences à court, moyen et long terme qui vont avoir un impact sur toute la toile du récit. Et c'est ça la vraie exploration de Heavy Rain. C'est son exploration narrative. Don't panic, let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. It was like a narrative Rubik's Cube, you know, you play with it and it never works because there is always a color that is not the one you want. The inspirations behind the script were many. Seven by David Fincher was definitely one of them. Memories of Murder was also an interesting one, because it was a version of Seven where there was no resolution in the end. They would never find who did it. And that was incredibly inspiring to me, because it showed me, okay, it's possible to have a story that has no resolution. Heavy Rain vient s'inscrire totalement à contre-courant. Jusque-là, on était plutôt habitué, notamment via LucasArts, à des scénarios très drôles, loufoques. Et là, on a une œuvre extrêmement dure, on a une œuvre tragique, une tragédie adulte. Et là, il y a vraiment un choix radical de dire on va transmettre quelque chose comme de la morale. Alors attention, c'est pas un jeu qui fait la morale, hein, ça vous tape pas dessus en disant attention, le bien c'est ça, le mal c'est ça, pas du tout. C'est que vos choix ont une réelle implication morale. Et vous allez peut-être vous planter, et d'ailleurs peut-être qu'il n'y a pas de bons choix comme dans la vie. Peut-être qu'il n'y a que des mauvais choix. Crap, that's disinfectant. Not terribly good for burns. C'est une radicalité. Alors, on a essayé de caricaturer le jeu en disant que c'était du cinéma interactif pour dire non, mais ça, c'est pas un vrai jeu vidéo. Ah si, c'est un vrai jeu vidéo radical. Et je pense qu'il est même encore radical aujourd'hui. I didn't know if this kind of games existed. But I knew what I wanted to do, and I felt if this is something that I can be interested in, if this is something that can move me, it's going to move other people around the world. What fascinated me when I started was this concept that I could tell a story with millions of people that I never met. And that's something incredible. It's absolutely unique. Because when you're a novel writer, or when you're a film writer, you write your story on your own, and then people can watch it or read it. But in this case, I write the potential for stories. But the final story is really told with the player. It's the result of narrative space that I created, but their choices and their path within this narrative space. And that's so unique and so fascinating. That's really something that 23 years later, I'm still fascinated by this.